Et oui, absolument, Monsieur Léon. Il sera prêt cet après-midi. Oui, oui, oui. Une formule de croissance ultra secrète. Vous en êtes vraiment sûr? Ah oui, oui, rassurez-vous. Personne ne se doute de rien. Pourquoi papa, il parle à voix basse, Popiette? C'est bizarre, tu trouves pas? Il parle jamais comme ça, Monsieur Léon. Oh, excusez-moi. Elliot? Mais dis-moi, toi, tu devrais pas être déjà à l'école. Elliot, tu n'es pas encore prêt? Gérald, ça sent bizarre, tu trouves pas? Ah, non. Oh, c'est rien, ma chérie. C'est juste une petite expérience de rien du tout, du tout. Oh, bah qui ça peut bien être? Ça alors? Oh, Elliot, regarde qui est là. Dites, qu'est-ce qui vous amène? Ben, on vient chercher Elliot pour aller à l'école comme d'habitude, quoi, Monsieur Kid. Ah, y a comme une odeur de fennec. C'est sûr, ça sent le pourri dégueu. Dis donc, on dirait que ça vient de chez toi, Elliot. Oh, ben moi je sens rien du tout. Hein? Bon, allez les enfants, bon voyage et à bientôt. Hein? Oh là là, il est passé du côté obscur de la force, ton père, ou quoi? En plus, il a mangé du ramor. Ouais, et vous savez quoi? Il était au téléphone avec Monsieur Léon ce matin. Quoi? Quoi? Il a parlé d'une formule grandissante secrète. Pas possible! Tu vas pas me dire que ton papa, il a trouvé une formule pour faire grandir Monsieur Léon? Oh, l'autre, n'importe quoi, Mimi, tu sais bien que c'est pas possible. En fait, Monsieur Léon, il veut servir des inventions de Monsieur Kid. Sûrement pas. Si c'est top secret, papa, il dira rien. Ou alors, c'est que... Ben, c'est qu'en fait, ton papa, il a été hypnotisé par Monsieur Léon. Oh. Et maintenant, Monsieur Kid, vous allez faire tout ce que je vous demande. Aujourd'hui, les enfants, nous allons étudier une plante carnivore. On l'appelle la Dionée. Je vous demanderai de faire très attention, car elle appartient à Monsieur Léon. Alors ça, c'est dingue. Carnivore, ça veut dire qu'elle mange de la viande comme nous. Elle peut porter des lunettes aussi. Allons, allons, les enfants. Cette fleur ne mange pas de viande, Mimi. Elle se nourrit d'insectes. Waouh, elle a une bouche pleine de dents. Tchou. Allons, allons, vous êtes bien dissipés ce matin. Eh si Monsieur Léon, il a utilisé la formule grandissante de ton père, la plante carnivore, elle va devenir géante. Veux-tu descendre immédiatement de ta maîtresse? C'est la plante à Monsieur Léon, dame. Elle est devenue géante, même qu'elle a super faim, et elle allait vous dévorer. Ça suffit, mon garçon. Retourne t'asseoir, s'il te plaît. Oh, ma douce, il est vilain. Il a failli te faire du mal. Assez de botanique pour aujourd'hui. Sortez vos livres de poésie. Vous aimez ça, la poésie? Oui! Dis-moi, Yac, ce serait pas ton papa là-bas? Bah, qu'est-ce qu'il vient faire à l'école? Ah ouais, d'accord. Ton père dans le genre super discret, lunettes noires, je lui mets zéro, moi. Je vais voir. Hé, hey, attends-nous, Yac. Opération commando. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je dis que c'est bizarre. Monsieur Léon? Le voilà, Monsieur Léon. C'est ça, mon engrais spécial 100% naturel. Entrez, entrez vite. Je suis tout excité. Et attendez, vous n'avez encore rien vu. Votre reine va grandir comme un champignon. Et on n'en parle à personne. Mais qui c'est, Mouche Cousu? Regardez, ça marche. Alors, Monsieur Kid, il me semble que le moment est venu pour notre reine d'envahir la ville. Tout à fait, Monsieur Léon, avec mon engrais spécial. Elle va faire plein de graines. Vous allez voir, ça va être étonnant.
Vous avez vu, c'est pour faire grandir sa plante que Monsieur Léon il a hypnotisé mon papa. Oh comment c'est pas cool. La plante carnivore, elle va faire plein de bébés plantes carnivores et ils vont envahir la ville. Hé, oh. Guy et Yac, tu crois que Monsieur Léon il nourrit sa plante carnivore avec des vrais gens? Hein, tu crois? Bien sûr qu'il est nourri avec des gens. Ouais, il les achète en barquette au supermarché. Colpac et tout, c'est vrai. Même que je suis sûre que c'est les élèves de l'école dont il va se servir. Mais les élèves de l'école? C'est nous. Mais c'est horrible, horrible. Faut absolument qu'on l'empêche de faire ça. Regardez, on dirait que c'est trop tard. Pas possible. Oh non, Michel. Je veux pas être une croquette. C'est l'heure de ton déjeuner, ma chérie. Pour prendre ton sachet de graines, Elliot. Alors, c'est bien compris? Après l'école, vous me semez des graines partout. Je crois que nous allons faire une belle surprise à tous les habitants de la ville. Oh. Ça me fiche la trouille. Ouais, t'as raison. Mais les autres copains, ils vont en planter partout. Venez, j'ai une idée. Attention, les plantes carnivores, vous allez vivre le cauchemar contre nous et nos pompes à vélo. Mais c'est pas des pompes à vélo, c'est des lasers. Ils sont chargés avec mon super fluide anti-plante carnivore. Ah ouais, cool. Mais les gars, pourquoi est-ce que c'est moi qui ai le plus petit? Hein? C'était les dernières graines. Mission accomplie. C'est pas sûr. Monsieur Léon, il a encore la reine des carnivores dans la serre derrière l'école. Et s'il arrose la reine des carnivores, eh ben, elle va faire d'autres graines qui font d'autres plantes carnivores, du coup. Oh, trop fort, Mimi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Faut qu'on détruise la reine pour pas que ça recommence. La 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 la. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, c'est épouvantable. Pourquoi c'est moi qui rentre la première? T'inquiète, Mimi, on est derrière. Vous êtes prêts? Bah, tu m'étonnes, faut ouvrir l'œil. C'est quoi qu'on cherche déjà? Regardez la plante carnivore, elle a fait plein de petits. Oh, horrible, horrible! À nous de jouer! Ah, voilà votre femme. Ah, tu tombes bien. Alors, ma chérie, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle invention? J'imagine que tu veux parler de ces horreurs verdâtres, gluantes et malodorantes qui ont poussé dans toute la ville comme du chien d'an. Mais... Mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas très bien ce qui se passe, madame le maire. Sachez que je n'y suis pour rien. J'ai peur que tout ça soit la faute de votre mari. Ma chérie, je te jure que je comprends pas ce qui se passe. Dans la serre de Monsieur Léon, notre reine Marguerite a poussé magnifiquement, je t'assure. Mais enfin, Gérald, tu débloques ou quoi? Eh bien, viens, je vais te montrer. Tu vas pas le croire tellement c'est magnifique. Yeah.
sauver. Ah non, mes cheveux blancs t'adoraient. Mais c'est pas vrai, Sam, mais c'est une catastrophe. Vous pouvez me dire exactement ce qui s'est passé ici? Bah oui, tout de suite, hein, c'est à cause de Monsieur Léon, Madame Kid. Il voulait que sa reine des carnivores, elle envahisse toute la ville. Ouais, et une reine carnivore, eh ben ça mange les vrais gens. Même qu'elle a commencé par Michel. C'est vrai, maman. Monsieur Léon, il a hypnotisé papa pour qu'il l'aide. Oh, mes petites plantes. Mais Elliot, enfin, je ne vois pas en quoi ton père est plus hypnotisé que d'habitude. Et si c'est ça, votre plante carnivore? Elle me semble tout de même bien petite pour avoir dévoré votre copain Michel. Tout cela est absolument ridicule. Michel n'a pas été dévoré par une plante. Il avait le rhume des foins. Il est rentré chez lui. Ah ouais, genre le rhume des foins. Pourquoi pas la grippe des carottes? Oh, c'est génial, il reste des graines. Regardez. Tu vois pas que ça recommence? Waouh. Tadam! Qu'est-ce que t'en dis, ma chérie? Tiens, c'est pour toi. Oh, chérie, mon amour, elle est magnifique. Vous me replantez tout ça et en vitesse. Ah, salut Michel. C'est super de voir que t'es guéri. Ah ouais, figure-toi que ces trois idiots, ils pensaient que t'avais été mangé par une plante carnivore. Oh, ça suffit là. C'est chatrave, graine de minus. Fou, comme si une plante carnivore, ça pouvait pousser ici.